Encore une autre fois, ancien Premier ministre Claude Joseph tremblait pays d'Haïti. Internet l'a chauffé en pile parole en pile. Claude Joseph prend Internet là pour lui hier, mesdames et messieurs. En pile parole parlé, en pile intervention faite. Mais moi-même, m'a dit nos grandes bagailles. Songez que nous toujours dit nous m'a chercher ça qui est plus important, ça qui est plus fragile. Là. Parce que nous-mêmes, bagailles que nous peur. Mesdames et messieurs, Claude Joseph dit en pile parole hier. Nous-mêmes, connaissons que c'est point par point. C'est point par point, nous devons comprendre tout ça qui est important dans la République. C'est détail, une détail pour vous. Eh bien, je vais vous dire, dans la mission ça, que GPPC, Digari Pierre-Paul Charles, effectué ensemble avec l'ancien PM, il y a un pile de cause que vous ne connaissez. Top pile information que vous connaissez. Dans la vidéo, ça, nous allons dire la vérité. Et nous allons décortiquer tout ce qu'a dit tout bas dans la République. Et mission ça que l'ancien PM n'a fait, que de bagaille, nous connaissons que capable d'attirer l'attention. Et nous prenons parti qui est plus important pour nous décortiquer et commenter, analyser ensemble avec vous. Très très important. Encore une autre fois, mesdames et messieurs, je vais vous donner information ça pour les gens qui sont dans le Nipio. Et que, il y a une pile pression qui a fait sous Premier ministre, président assassin, pour que vous révoquiez le commissaire du gouvernement Jean-Ernest Muscadet dans Miragouane. Nous-mêmes, nous, Miragouane, capitaine, nous avons commencé à mobiliser. Criminel assassin, gang kidnappé dans El Kassi, a fait gros pression sous le président Premier ministre actuellement là pour le révoquer Jean-Ernest Muscadet comme commissaire du gouvernement. So, j'aime dire nous bien, yon gang, yon kidnappé, yon assassin, pas jamais accepté pour un policier ou du moins pour une autorité dans zone là qui fonctionne. Parce que deux mouns, c'est des ennemis que vous avez. Pas jamais amis. Ça veut dire, yon a fait une façon pour yon jeter l'autre quand même. Parce que Jean-Ernest Muscadet lui-même, il met grand nan boudal, de pour pas divin faire ma kak dans zone là, la vidéo a terre. Nenel Kassi c'était venu pour le débouler Miragouane, Nenel. Comme ça, le gouvernement te fout le code dans le bras. Il te met l'ordre dans les autres comme autorité dans le département. Dans le sud pays, il y a une grosse pression qui a fait pour que vous retirez le commissaire Richemont dans le paquet au Kaila. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes dans le grand sud pays, nous-mêmes qui sommes dans la ville au Kaila, nous-mêmes qui sommes dans la ville Miragouane, prenons responsabilité. Non? Parce que nous avons des choses. Nous comprenons si un monde ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. Nous sommes capables de révoquer, ou du moins nous capables de transférer, nous remplacer. Mais au monde qui a fait résultat, Muscadet a demandé tout le monde, quel que soit côté dans le pays d'Haïti, ou pas capable de passer Noël, il m'a demandé de faire tout effort que vous êtes capable de rentrer dans le pays, de venir fêter Noël ensemble avec elle. Vous chantez sur ça même. Au cas même bagaille, pas que l'autre côté dans le pays, non? Nous sommes capables de ça, non? Bon, je pense que pour des paix, comme ça, le gouvernement pour des paix, je pense que M. Tira fait, il faut ça tout, pas qu'il faut ça fait. Ville Cap-Haïtien, pas que ça. Bon, malheureusement, on a un drame qui passe Cap-Haïtien. Encore une fois, on a coupé nos biens bas pour nous saluer, mais moi, nous saluons. Vous comprenez? Mais pour montrer nous, dans le pays d'Haïti, pas qu'il y a des gens qui travaillent. Et pour travailler, on a un résultat. On a un résultat ou pas de carité. Assassin criminel, avec les prix de guette. Mesdames et messieurs, nous pouvons traverser en deux moments causés Claude Joseph qui fait trembler la République. Encore une fois, je dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a, on a nous, on nous. Encore une fois, Jean que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je sois avec nous. Et ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je connais, je viens partager mon moment ensemble avec nous. Et que je connais, nous allons réagir à travers les commentaires. Alors, c'est là, nous allons dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons de vidéos. C'est très très important. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous avons sûrement qu'à partir d'attention. Et nous avons dit que nous avons dit et que nous avons supposé dire plus de lits, nous pas dit. Et bien, justement, ou même. Qui est que nous avons supposé plus approfondir débat ou du moins commentaire sur un sujet quelconque, et bien justement, vous êtes capable d'ajouter dans le commentaire là. Parce que c'est là nous communiquer, c'est là que vous êtes capable avec nous, et plus facile. Encore une fois, pour tout contact avec nous-mêmes sur la plateforme YouTube InfoBerto, et bien définitivement, c'est 809-619-43-54. Pas oublier, mettez plus un devant. 809-619-43-54.
43 54. Encore une fois, moi, merci nous. Le fait que nous faisons choix pour que nous tendez info bientôt. Sur quelque soit plateforme, non, YouTube, Facebook, quel que soit côté, je dis nous que nous sommes. Alors, je que nous avons annoncé là, nous allons commencer ensemble avec l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Parce que, mesdames et messieurs, Claude Joseph fait trembler la République. Nous allons commencer ensemble avec bataille. Ancien Premier ministre là, avec président voisin noir. Noir qui est. Monsieur cohérent, monsieur correct. Et c'est moun ça a besoin dans la société. Après ça, on a traversé une partie politique dure là. Parce que GPP, c'est dit Paul Charles, questionner monsieur, nous pas qu'être gros dossier. C'est des bagages qui grave, oui. Définitivement, Claude Joseph devenu un grand leader. Et peuple haïtien, mais déjà pour bien bas devant monsieur. Alors, on a profité pour nous saluer d'arriver Paul Charles, on a profité pour nous saluer et campagne, Val, et monsieur Mabdino Chaboba, Chaboba, m'a profité pour nous saluer Marco tout, bien que le bat là, et Mabdino Chaboba, monsieur. Kembe là, et je pense que le pays a besoin, non? J'ai pu penser d'arriver Pierre Paul Charles, définitivement, m'a tout dit ça clairement. Ou c'est un journaliste traditionnel que nous-mêmes, la jeunesse haïtienne, nous-mêmes qui sommes jeunes, qui sommes en vingtaine. Ou c'est une rare journaliste que nous sommes capables de composer. Je dis ça clairement. Je dis à mes quand sont en taille. Mais quand sont en taille, parce que ça s'est passé. Nous-mêmes, en tant que jeunes, qui prenons responsabilité nous, face à ça qui est là comme situation, nous prêts pour nous batailler ensemble avec vous. Bataille à côté. Ça veut dire pour nous mener en lutte ensemble. Qui s'est passé? Moi-même constate clairement que vous êtes en camp à nous. Vous êtes en camp Claude Joseph. Je ne demande pas de faire cacher le bruit encore. J'aime que vous avez fait longtemps. Depuis 20 ans, il n'y a pas fait comme ça encore. Je dis, vous constatez que un groupe assassin criminel prend tête pays ça. Depuis 1986, ou même tout grandit ensemble avec vous. Vous constatez que c'est plus gros mal qui vous fait payer. De fait, ou est payé pour vous dans ce là. C'est la jeunesse haïtienne qui vous prend direction, qui vous prend bac pays ça pour ballon l'autre direction. Ou constatez-le. Ou dans le camp nous. Pas la lose. Pas la lose. Quand vous bon côté nous. Elle est claire. Ou c'est rarement. Ou c'est rare, ou c'est rare journaliste qui campe derrière Claude Joseph pour battre bravo pour lui. Pour dire nous féliciter. Pas que l'autre journaliste dans le pays d'Haïti qui a eu courage pour le faire. Parce que ça a passé, patron yo tout a acheté caille, a acheté comment il a appartement, a fait gros business la caille voisin. Ou même, ou a eu courage pour dire. Je vais vous bagage GPPC. Si c'est un ex qui a une bonne publicité, je dis à moi-même, on va compter sur moi avec l'équipe. Et m'a compter sur toute l'autre, amis, famille qui sont sur toute l'autre plateforme sur les réseaux sociaux. Je vais dire ça clairement. Si c'est l'argent, si c'est nèg ça qui compte bon l'argent, ou du moins si c'est eux-mêmes qui compte bon publicité, je dis, on n'a pas besoin encore. Parce que qui s'est passé? De vous décider de bataille avec la jeunesse haïtienne, ou avez besoin de l'argent que vous avez besoin. Si c'est million, vous avez besoin de millionnaire, ton écrasé n'a pas millionnaire. Si c'est million, vous avez besoin de millionnaire, ton écrasé n'a pas millionnaire. Moi-même, j'ai bébé, c'est ma vie, ça clairement. Ce n'est pas un problème, je n'ai pas vivre dans le pays. C'est ça que vous mettez en bas. Vous faites que vous ne pouvez pas vivre. Ou même vous ne pouvez pas tout parce qu'on a longtemps ensemble avec vous. Vous ne pouvez pas tout. Mais moi-même, depuis que je joins, c'est lapidaire pour lapidaire. Parce que ce qui s'est passé, je me fais monter. Et je me fais tout flamme. Je me sens filtre. Pas gagner que je me perds. Je dis ça clairement, j'ai BBC. Si c'est publicité qui est en bas, qui fait que vous avez du mal. Pour que vous même sortiez dans le silence ou dites toute la vérité. Même Jean moi quand on a fait là, dit n'a pas besoin de publicité encore. De fait, vous travaillez même Jean ensemble avec la jeunesse à faire à travers les réseaux sociaux. Parce que je dis ça clairement. Si c'est l'argent que vous avez besoin. Parce que moi, je connais dans quel niveau diaspora ici n'a pas souffert. Parce que vous n'avez pas rentré dans le pays d'Haïti. De vous décider de bataille. Pour nous déshabiller assassin dans le pays d'Haïti, ton écrasé moi j'ai l'argent que besoin. En vérité, 7 fois, 77 fois,
ou jouer l'argent que vous avez besoin dans la diaspora haïtienne. Il y a supporté dans le niveau qu'on veut. De vous décider bataille pour aider vous sortir dans sa rue là. Parce que le pays ne va pas vivre comme ça. Mesdames et messieurs, je vous annonce nous, GPPC avec chancelier Panouan, ancien PM Panouan, jeune garçon Panouan, Claude Joseph, n'a pas avancé ensemble avec elle et puis n'a pas commenté. Avant de commencer, n'a pas salué jeune garçon ça. Claude Joseph, n'a pas salué ancien premier ministre Laurent Lamotte, n'a pas salué madame Martine Moïse. Ok, n'a pas salué Stanley Luca, n'a pas salué Wendy Fell, ils sont nous, n'a pas salué Hubert Auchan, Tcheko Pepla, Palais Haïti, Busta John, Mouna Fabon TV, Live Temps pour Vérité, n'a pas salué tout jeune garçon et jeune femme, même j'ai avec moi et même avec Foucault, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font un travail sérieux, qui rêvent pour nous goulot Haïti. On a mis PM Panouan, jeune garçon Panouan, Claude Joseph, on avance. Ça c'est mis à faire étrangère, militant politique, intellectuel, celui qui a fait trembler Abinader, la République dominicaine. Bonsoir, Claude. C'est son plaisir pour nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous recevoir parce que nous sommes très contents le fait que, au moins, nous Haïtiens, qui nous sommes dominicains, comme si nous sommes ici toujours, ouais, et Abinader, senti ça, il déploie tout, pour mettre en charge et amener morceaux. Mais nous autres, nous sommes là, nous sommes les fils de Dessalines, et nous sommes très fiers de vous-même par rapport à la bataille que vous menez face à la République dominicaine. Et je vous dis, à me connaître, Dominicains va suivre, parce que vous voulez annoncer ça, il y a des Dominicains qui font des contacts, qui disent, vous ne pouvez pas parler, c'est sûr, vous ne pouvez pas dire à Abinader, ça qui passe, qui sortit. Et je vous dis, à des bails, nous pouvons parler avec Abinader. Donc, comme moi, je ne vais pas connaître la République dominicaine, donc je ne vais pas besoin de moi. Objectif est très sérieux. Claude Joseph, bonsoir. Nous sommes bien contents de nous recevoir aujourd'hui. Bonsoir GPPC, bonsoir Mano, Val, Campagne, et auditeurs, téléspectateurs, monde qui a regardé Chosa et Jodia. Et d'abord, il y a plusieurs considérations qui ont commencé avec mot sympathie pour mon Capio. Moi, il y a vécu un moment qui est extrêmement difficile, donc sympathie pour la famille et victime. Moi, et fait, et bon, alors je dis à me parler avec quelques autorités dans la ville là, mais particulièrement et maire là, et pour m'exprimer sur les sympathies avec eux. Gary, peut-être que vous avez songé ça, et aussi vous, mes gens qui vont me parler dans mes cours, très jeune, Mathilde Max, impasse quel issue. Et ensuite, au bon balan, en pile de Haïti aujourd'hui. Hein? Oui, dans le signal. Dans le signal. Donc là, c'est une expérience encore. Et ça, peut-être que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas même songer ça. Hein? Oui, oui. Mais parce que l'issue, c'était une émission phare hein? Avec Gary Pierre Bochard. Et quittez-moi remercier ce groupe, Gary, parce que vous êtes rare, médias haïtiens, qui étaient campés DM dans la bataille face avec Abinader, pas avec la République dominicaine, parce que son peuple, frère, et son pays voisin, que m'a toujours cherché de bons rapports, de bons voisinages. Mais avec l'ingérence, ou bien si vous voulez, nous sommes capables d'idées expansionnistes et hégémoniques, et Abinader, et par rapport à la République dominicaine, mais un regard condescendant sur Haïti. Alors que tous les médias dominicains supportaient Abinader dans la bataille. Et vous savez, un média qui est campé. Et bon, côté, moi, j'ai vraiment apprécié ça. M'apprécie également quelques sénateurs. Edo Zeni, dans Jacmel. Et sénateur Lambert. Et avec quelques autorités politiques également, Yuri La Tortue, qui fait des tweets pour dire yo supporte non et m'ta capable de démarrer ça. C'est pas un bail conflictuel que m'ta chercher moi-même. Mais c'est le respect et on est capable de dire de pays à si on prend des décisions pour pays à et faut consulter autorité haïtienne ou bien faut inviter et toute autre chose considérée comme on est capable de dire deux approches condescendantes et par rapport à Haïti donc vraiment gagner et on est capable de dire et de monde qui pas comprendre ça bien par exemple. Et nous sommes j'étais tout de suite, nous venons faire tweet là pour moi expliquer que également la République dominicaine gagne et insécurité, tout fort que deux pays
autorité de pays au metteur ensemble et qui a adressé question insécurité sur l'île. T'es qu'un pile, t'es capable de dire monde malentendu, compréhension, etc. Et quelqu'un qui dit mais on met des étudiants yo haïtiens yo dans problème. Étudiants haïtiens pas dans l'université de l'État aller en République dominicaine. C'est 52 millions de dollars que nous investissons bail et non et université et privée et dominicaine. Donc Haïti dans ce sens c'est la main qui donne. Donc là par exemple ils voulaient faire chantage pour faire nous plier par rapport à des positions que nous prenons, de principe, et nous rappeler que non, c'est... Et moi, j'étais content également que les étudiants haïtiens en République dominicaine aient été supportés, nous étions capables de dire, moi-même comme chancelier, dans ce moment-là, et parce que eux-mêmes n'ont pas pris un chantage qui t'a fait sur question visa. Non, mais rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous rencontrez Abinader? Est-ce que vous parlez avec lui? Dis-nous son deal, parce que quelque part, j'ai l'impression que vous avez dit que monsieur était dérangé. Alors, quittez-nous tout, Gary, qu'en 2020, nous avons tourné en République dominicaine. D'ailleurs, Scoop écrit sur ça tout. Nous avons tourné en République dominicaine, à faire des inspections dans l'ambassade et consulat. Et regardez comment ils ont fonctionné. Là, ça, nous avons une dynamique cap électorale, etc. etc. Jovenel là, c'était sous Jovenel. Et on était une chance et on était capable d'intervenir en public avec le ministère des Affaires étrangères et ancien homologue moi et souvelé Roberto Alvarez. Et dans le compte ça, on était dit clair et que l'important dans le discours officiel yo pour dominicain yo, officiel yo même et suspend avec narratif négatif sur Haïtien. Ça veut dire, non, ça parce que je suis très intellectuel, je ne peux pas parler Haïti mal. Parler Haïti mal et parler Haïti mal. Par exemple, là-dedans, c'est que Haïti son charge, là-dedans, nous pas. Non, paquet de bagages comme si Haïti son pays, comme si. Qui... Donc, vraiment, de bagages qui pas intéressant que je n'ai besoin de répéter là. Mais ça veut faire nous comprendre là. En 2020, exactement, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Claude Joseph rentré la caille voisine en République dominicaine. Monsieur dit dominicain, non pays, hein? Monsieur dit dominicain, il faut que suspende dans l'ingérence, dans l'entrée, bouche dans le dossier pays d'Haïti comme ça. Pas faire n'importe qui, Jean. Ça veut dire, monsieur, que courage dans la caille, il n'y a pas avec vous. Ou Claude Joseph, je vais dire ça clairement, nous-mêmes qui sommes haïtiens conséquents, capitaine, je vais garder là. C'est rare, haïtien que nous gagnons. Et nous connaissons des choses. Génération ça a tellement vive. C'est des vieux exemples. Ça veut dire, les grandis, dans le temps, l'équipe politique traditionnelle. Les ouais, ou cap évolué. Pas de bons exemples. Ce qui est criminel, assassin, cap crasé, brisé, cap comme si c'est volant seulement. Oui. C'est associé, yo, ensemble avec une équipe moun, la kay voisin, pour venir faire gros l'argent dans la coupe d'Haïti. Monsieur lui-même, les gens qui doivent venir là. Il vient péter champagne avec le chancelier pareil. Fait fête, dîner, bel bagage, ça n'a pas de problème. Mais il campe. Il dit non. Il faut que nous fassions respecter le pays, la souveraineté, la caille, la nation pas. Il faut que nous connaissions que nous avons des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont dignité, qui ont personnalité. Il parle, il a le courage, il dit ça. Et ça n'a pas de fait autorité dominicaine ou bien. Il va faire ou bien. Et vous ne pas attendre comment vous avez réagi pendant que Claude Joseph était dans le pays. Vous pas d'accord. En pile, autorité dominique n'est pas d'accord. Et vous avez même demandé pour que le président dominicain, ou du moins le chancelier dominicain, ait déclaré Claude Joseph persona non grata. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord rentrer dans le pays. Nous pouvons attendre quelle déclaration l'autorité dominicaine a été faite le Claude Joseph a pris une position. Nous avons saisi. On avance. Mesdames et Messieurs, ça clair pour vous. Si nous voulons un rapport de bon voisinage, donc c'est dans le discours officiel. Parce que nous voulons aller à Abinader, le discours Abinader par rapport avec Haïti en vendant des présidents. Mais c'est un constancié de pour où il veut, par exemple, pour plaire ultranationaliste dominicain, un discours. Que l'obligé de gagner la carrière. Donc, moi, je me déclare.
Ensuite, je parle parlé à même, je rencontre avec Abinadel à deux, en fait, accompagné bien sûr deux ambassadeurs par moi et eux-mêmes. Ambassadeur par moi. Et non, ministre par moi. Moi, je reprends, clair. Et ça me dit, je pense que c'est important pour vous suspendre avec et je suis capable de dire narratif négatif. Mm-hmm. Et je comprends ça. Et l'aime tout n'est pas au prince. Le président Jovenel Moïse a accueilli ça très bien parce que voilà, il a fait la une des journaux dominicains. Mm-hmm. Au point que l'ultranationaliste a demandé à Abinadel pour déclarer personnel non-gata en République dominicaine. Bon, effectivement, il ne faut pas faire ça. Au contraire, c'est dans l'hélicoptère dominicain qui a voyagé dans tout Santiago, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et l'aime venu, le président Jovenel Moïse a accueilli très bien. Et il pensait que, bon, écoutez, c'est vrai, il faut que pas. Il faut que vous n'ayez pas traité Haïtien et Haïti comme ça. Il va te voyer, on charge, il va te voyer, on envoie spécial, ou bien on émissaire. Mais ensuite, moi-même, président Jovenel Moïse, nous rencontrons plusieurs fois avec Abinadel. Nous rencontrons, je te comprends, ça me dit alors, ce n'est pas aucun problème. Nous rencontrons avec le président Jovenel Moïse, avec Abinadel plusieurs fois. Et nous sommes capables de dire. Et c'était de très très bonnes relations. Avec le président Jovenel Moïse et Abinadel, tu as commencé, tu es capable de développer une très bonne relation pendant que moi-même, mon ministre des Affaires étrangères. Et ce qui va commencer à gâter le rapport, c'est sous pression ultranationaliste, sous question du canal d'immigration sur rivière Massacre. Or, je dis ça là aujourd'hui, et alors, qui t'aime pas, et il a commencé par un problème, malgré, tout ça, franchement, que officiel dominicain n'a pas de problème avec le canal. Là. C'est qui est-ce qui est le problème là? C'est ultranationaliste, mais il n'a pas obligé de travailler là. Et moi-même, l'un des ministres des Affaires étrangères et premier ministre, je suis clair. Sous le président Jovenel Moïse, nous t'ai dit, moi t'ai dit que nous n'avons pas campé de travailler là parce que les Dominicains n'ont pas vu. Parce que c'est sur le territoire pas nous, la fête. C'est ça que fait. Nous t'ai écrit au premier ministre pour me dire. Mais qui travaille, parce que le Premier ministre, il est venu, il n'est pas contre le dossier, c'est normal. Oui. C'est pas seulement est-ce communiquer dans la bouche pour communiquer. Pas de transition qui t'a fait en termes de dossier. C'est pas communiquer dans la bouche seulement, il faut envoyer le dossier à Bali, on dit voilà, mais ça travaille là, on explique, on dit que ne faut non pas céder sous pression dominicaine, il faut que travail commence. C'est vrai que Rivière a pris naissance en République dominicaine. Mais cela qui s'est implanté, République dominicaine, Haïti, etc. Oui, oui, oui. Et grand affluent, yo. Et nous sommes capables de dire qui va arriver à plus force, c'est en Haïti en sorti. Ah, ok. Vous comprenez? Donc, c'est ça peut-être que nous ne connaissons pas. Il y a plusieurs malentendus sur question ça. Donc, par rapport à cette question ça, il y a un peu de monde qui estime que vous êtes l'un des rares ministres haïtiens des Affaires étrangères à ne pas courber les Chines devant un président étranger. Donc, on a parlé de Abinader, mais l'autre des. Réaction, yo, par exemple. Il y a des gens qui disent que vous mettez en danger les ressortissants haïtiens en République dominicaine. Il y a des gens qui battent bravo, tout. C'est un acte de bravo. Et qui ça s'adjoue? Écoutez, moi-même, j'aime dire que l'action sérieuse, c'est l'action qui permet que moi sois entier. Moi, j'entends quelques critiques, mais c'est des gens. Qui parle en question fierté pays, qui parle en question patrie, évidemment. Mais c'est surtout des gens qui ont des intérêts. Justement. Personnel, individuel, etc. Et en République dominicaine. Pas bien que je dis, République dominicaine, c'est une autre destination pour la classe moyenne et haïtienne. Donc, je ne sais pas un problème ça, parce que nous-mêmes dans l'État, nous avons des choses qui nous ont fait. Pas vrai? Et c'est pas une question d'orgueil seulement, non? Ouais. Et orgueil là, il est important. S'il est nécessaire, il va suffisant. Il est nécessaire parce que la paix permet de dire que si je suis orgueil comme ça, je ne pas avoir que les femmes. Et qui va la coucher, il y a le maltraité en République dominicaine, mais on fait maternité pour vous, on construit le travail, etc. Voilà. Donc, je pense que l'orgueil là, il est extrêmement important. Et même temps, il y a un ensemble de critiques. Et moi-même, je pense que comme chancelier, je vais ça me faire. Et contrairement, peut-être dans le livre, je vais expliquer, je vais camper seulement devant et je suis capable de dire à Abinadel, tout étranger qui est dans le pays. Qui ont regard condescendant par rapport à Haïti, moi j'aime toujours parler avec eux. Il y a des gens qui ont expliqué que nous prenons des ministres étrangères, ça, quelques, ça, nous avons des clashs. Deux gens qui sont très condescendants par rapport à Haïti, moi je les mets en place. Moi je les convoque dans le bureau, moi je dis, jamais faire ça encore sur la question Haïti. Si vous faites ça,
L'autre étape là, c'est personnel, on est à la petite. On menace. Eh bon, ça, c'est, oui, ouais. Justement, parce que moi-même, moi connais que l'ambassadeur Panoyo, par exemple. Si on fait. Si on fait, si on entre dans la politique étrangère, politique interne, on sait de pays, mais qui sort, qui réserve avec eux. Eh bien, moi-même également. Donc, moi, je fais face avec des situations comme ça. Mais peut-être que, après 10 ans, on va expliquer. Moi, je suis ça. Très bien. Alors, encore une fois, je salue l'ancien PM, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui fait fierté nous-mêmes, peuple haïtien. Je dis bravo. Je dis bravo. Et c'est mon salut, naturellement, nous besoin d'être dans le pays. Hein. Mesdames et messieurs, je dis une bagaille. Ça qui est important. Nous allons quitter le Premier ministre en parler. Parce que ça, nous avons dit, c'est extrêmement important. Et nous allons prendre la première partie qui a un rapport, conflit, ensemble avec les voisins. Actuellement, là, dans le pays d'Haïti, respect devant toute l'autre nation sur la terre, nous ne gagnons pas. Nous ne gagnons pas définitivement. Mais pour nous redorer le blason, il faut que nous changions de tête, nous là. Parce que nous ne gagnons pas. Quel que soit pays sur la terre qui a une relation ensemble avec nous, comme pays, vous connaissez tout le monde qui touille le président Jovenel Moïse, c'est eux qui ont le pouvoir actuellement là. Vous connaissez le représentant dans le secteur privé qui touille Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui ont pris Mathieu là, c'est eux-mêmes qui ont parlé, c'est eux-mêmes qui ont le ministère de la justice, c'est eux-mêmes qui ont le ministère de l'intérieur. Ça veut dire que vous connaissez que nous pas monde, respect nous pas gagner devant toute l'autre nation sur la terre. Ça veut dire pour toute raison ça, yo. Jodi, nous avons un leader. Nous avons un leader qui décide de prendre tête l'opposition. Et il dit qu'il a fait l'opposition autrement. Et de façon à ce que. Et pas crasé, brisé. C'est pas boulé. C'est pas assassiné caractère monde. Mais de façon qui est positive. De façon qui est constructive. Ok? Ça dit que Claude Joseph, dans l'opposition. Peuple haïtien, nous-mêmes qui vivons dans le pays, nous-mêmes qui vivons à l'intérieur du pays, nous-mêmes qui aimons le pays d'Haïti, m'a demandé nous pour nous accompagner ancien Premier ministre Claude Joseph dans la bataille. Sa. Parce que nous avons une bataille, il n'y a pas de bataille pour lui-même seulement. Si il n'y a pas de bataille pour lui-même seulement, il a prêté comme ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement. Parce qu'il a fait silence. Dans quatre dossiers assassinat de Jovenel Moïse, il a fait silence, il a toujours gagné un poste comme ministre des Affaires étrangères. Parce que ça passe, Ariel Henry, pas le monde qui a parlé. C'est pour le monde qui met Ariel Henry. Parce que Ariel Henry lui-même, comme le monde qui contribue, comme monde qui contribue dans l'assassinat de Jovenel Moïse, son petit maillon est dans la chaîne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est gros baron, mis la pole en dans Pétionville qui met lui. Et c'est yo kap diktel, c'est yo kap dil mais ça pour le faire. Et c'est yo kap bal pression, yo dit pas qu'à quitter Claude Joseph là. Et là Claude Joseph fait marrer sa miandal. Bah ça c'est ton choc lié dans le gouvernement. Nèg yo pas à l'aise. Pétionville souke, Pétionville craque, nèg yo nerve, yo boudé. Yo dit Ariel Henry c'est ou même qui cause ça arriver là. Je dis là monsieur mettez tout uni. De fait nous gain pouvoir. Mais tout le monde a tout bagarre clair. Yo dit ça. Parce que ça s'est passé. Qui est-ce qui pas connaît c'est Boulos qui touille Jovenel Moïse? Qui est-ce qui pas connaît c'est Dimitri Vob, Jean-Marie Vob qui touille Jovenel Moïse? Qui est-ce qui pas connaît c'est Sekneguin en gaz qui touille Jovenel Moïse? Qui est-ce qui pas connaît c'est Nek banque dans le pays d'Haïti avec Nek qui gagne pour Obidjo yo, c'est Nek qui touille Jovenel Moïse? Qui est-ce qui pas connaît ça? Toute nation connaît ça, tout l'autre pays connaît ça. Mais qui est notre nation, qui est notre pays d'Haïti qui ne connaît pas, tout le monde qui est au pouvoir actuellement là, c'est le représentant direct qui touille Jovenel Moïse. Tout le monde connaît ça. Bertou Dossé, qui est allié dans touille Jovenel Moïse? Rien. Mais ils sont simples, le représentant Dimitri Vob, pour venir clean dossier pour lui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas jamais moi eux-mêmes. Ou pas jamais moi petit, madame, yo, pour l'envers, venir défendre tête dans la radio. Jamais. Son tête green ou jeune, qui vient assassiner quelqu'un ou l'autre tête green. En faveur, Milak Paul envers sa boudachir criminel assassin ça. C'est ça que nous connaissons. Moi-même, encore une fois, je dis, Claude Joseph m'a dit bravo. Le pays a besoin, le pays a espace. Et nous pensons que les peuples haïtiens supposés comprendre nous. Et de fait, nous pensons que
d'après ça que m'a vive sur réseaux sociaux, moi qui j'ai internet là enflammé hier, moi qui j'ai internet là chauffé, et bien de fait, moi constater que population comprend ancien premier ministre Claude Joseph. Haïtien Fremson, nous prenons le traverser, ça y aurait l'aile violent, politique, avec docteur Claude Joseph. Avec une grosse question que GPPC du Caribe Paul Charles posé ancien premier ministre là. En autant de questions ça, et puis nous tourner tout de suite. En avance. Quand il y a un peu de temps, on a dit Kounia. Qui est-ce qui tue le président? Bon. Mon cher, et Mba Kone. Mba. Mon fonds de campé. Dans nos questions. GPPC, Digari, Pierre-Paul Charles, Neg Plateau Central, Neg Mirbalet, Moun tout moun, Flaneur, Neg Fré, Neg Senti Bon. Moun tolérant pile, moun gen environ 10 l'année depuis m'ap suivre. Et Gary Paul Charles, on en a qui inspire à faire travail que m'a fait là. Bien que moi-même m'a fait autrement, parce que qui s'est passé, moi constate que dans la vie, il y a deux bagages. De pour faire, ou à mourir quand même. Pas de moyens pour pas mourir. Automatiquement, ou exister, ou sujet avec la mort obligatoirement. Ça veut dire que Claude Joseph, non gros combat. Et ce n'est pas sans raison. Gary posait monsieur question ça. Alors Noël sorti dans grand parti dossier la République dominicaine et Haïti conflit tout ça, je dis avant de rentrer dans le débat, avant de rentrer dans ça qui est pour avec politique. Il commencer avec question ça encore une fois en entendel. Quand il bail vous attendez, on a dit Kounia. Qu'est-ce qui tue le président? Bon. Mon cher, et Mba Kone. Mba Kone. Ça, c'est la première réponse plus simple. Maintenant, qui moun qui a intérêt à tuer le président? Voilà. Qui te nous dit que le président a lancé une bataille acharnée contre les oligarques corrompus de ce pays? Ouais, gagnant qui quitté le pays. Exemple, Dimitri Vob qui était payé déjà, Reginald Boulos qui était payé deux jours avant, li voye touye Jovenel Moïse. Haïtien Fremson, pas jamais oublié ça. Et nous même kap tande la, dans Tougounou, dans Bassin Blé, dans Fon Cochon, dans Chansol, dans Sekalasous, dans Sekakavayal, dans Plateau Central, dans Dédune, ok, dans Sodo. Ou même Captain Dim, dans Troin, dans Mombe Cochu, dans Bois Chadec, dans Boucan Pété, dans Boucan Chat, ou même Captain Dim, la montagne, la voûte, dans Jacmel, la Kayano, ou même Captain Dim, la Kounouya, pourquoi pas, dans Jacmel, la Kayano, ou même Captain Dim, dans quelque soit section communale, dans la pays d'Haïti. Maki sa non pi wak pap tombe. Nèg sa yo a paye sa quand même. Et de fait, yo commence à payer. Physiquement, nous poko rive sou yo. Mais Haïtien Fremson m'a dit nos grandes bagay. Boulos, Dimitri Vob, c'est deux nèg qui dépensent pi gros l'argent dans l'assassinat président paysan. Faut que tout le monde comme ça. Puis nous fout perdre li. C'est pas qui clair. Pas peur parler la vérité. Ok? Nèg sa yo, yo fin tout le président, yo rete la caillou yo à l'étranger. Et puis, petit yo, madame yo, famille yo, a fonctionné dans le business yo, dans le pays d'Haïti. Nous trouvons le normal, nous trouvons l'acceptable, est-ce que nous trouvons ça normal? Moi-même, moi dis, ça pas normal. Ça pas normal, li pap ka continue comme ça. Et m'ap tout annoncer nous ça tout. Nous bel bay, PM n'a parlé parce que nous pas trop long à soirée PM n'a pas dit ça parce que nous avons l'autre vidéo qui nous va le faire. Côté que nous pral dit ou des bagailles qui est extrêmement sensible. Nous avons bagaille, depuis ce monde qui est impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs.
Les gens prennent décision pour faire tout le monde ça voyager. Badjo pour qu'on veut voyager, mais Badjo pour aller voyager. Parce que ça passe, pas un pays sur la terre, tu n'es pas allé. Ou arrêter les gens. Ou à pouvoir demander l'État haïtien, autorité haïtienne, yo, document pour que vous fait extradition pour vous. Eh bien, autorité haïtienne, vous connaissez que vous-même, vous ne pouvez jamais répondre avec exigence de document ça. Eh bien, pour toute raison ça, autorité ça a décidé pour que tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, vous avez tout peine voyager, vous tout peine traverser la caille voisin, tout le pays sur la terre. Même si vous arrêtez, yo, après 22 juin, il a libéré quand même. Parce que documenté, il a exigé, il n'y a pas besoin de mettre. En avance. Gagnant qui l'a. Mais bataille, ça, c'est une bataille que le président a menée à toute force. Il n'y a pas de monde qui va comme ça. Ouais. Et là, par exemple, rapport de CPJ, et tout le monde connaît son secret de Polichinelle, ou bien John Joel Joseph. Qui participait dans l'assassinat, ou bien Badjo qui participait dans l'assassinat, ou ensemble de monde, ça tout le monde connaît, côté de sortie, origine politique, etc. Bon, là, moi, je ne parle pas, parce que je connais, on juge, on instruit le dossier, mais ça, c'est première considération. Deuxième considération. L'autre considération, c'est, on est capable de dire, ça n'a pas gardé là. Moi-même, par exemple, je suis tombé sur un article New York Times. Écrit. Et article New York Times, ça, l'aime tomber sous lit et moi lis n'importe 3 ou 4 fois. D'abord, je lis en anglais, parce que c'est une version anglaise à me gagner. Et puis ensuite, je lis en français. Ben, ça fait me comprendre que son crime qui a une dimension transversale, qui traversait de familles politiques, et je suis capable de dire, et ou pas commencer ou elle. Par exemple, le premier ministre, Kari, il était étonnant. Son monde qui n'a pas famille politique, Jovenel Moïse, qui dit que je ne peux pas l'élection à même. Qui dit que je ne peux pas l'élection à Claude Joseph. Non. De qui vous parlez? Non, je parle de PHTK, ouais, qui dit que. Famille, c'était dans le noveliste. Oui. Mais soit qu'il dit, on va là. Bon, il va dire pour qui ça, on va là. Mais moi-même, je déconne pour qui ça. Pour qui ça, alors? Pour qui ça, parce que moi-même, si je organise une élection, je ne vais pas le voler. Pour qui ça, le président Jovenel Moïse t'a choisi? Le président Jovenel Moïse t'a choisi parce que moi, je n'ai pas gagné un camp politique particulier. Moi, c'est seul et ministre des Affaires étrangères. Et en fait, premier ministre. Je ne sais pas, je suis dans un gros salon, dans un pays ville, dans un des côtés. Je ne pas connu. Vous comprenez? D'ailleurs. Donc si ça pose problème. Si c'est ça que tu es tout, mais c'est ça tout, je suis capable de dire une espèce de handicap. Majeur. Hein? Parce que, et bon, je suis manqué de transversalité. Même si je connais une politique dans le pays, même si je connais tout, même des fonds choix. L'un des premiers ministres, pour ne pas contacter les politiciens, voilà. Pour ne pas parler avec personne, pour quelle raison, c'est tout simplement parce que dès qu'on aime de la bonté bout de temps, moi pas voulu entraver le processus de négociation. L'autre premier ministre, pas qu'on peut cobler chaque mois, comme intelligence, parce qu'on coble le premier ministre pour voter chaque mois. Pour bailler qui bon? Pour bailler chaque mois. Non, c'est vrai, politique. Non, pas moi-même. Tout le premier ministre net passé dans la même situation. Oui, c'est ça que fait moi. Et peut-être c'est ça que fait. On est arrêté, je ne sais pas qu'on fait. Je ne pas de rapport ça. Pas oublier que je suis un premier ministre à l'intérim qui a compté jour. C'est moi tellement je ne suis pas de comme premier ministre, tout ça. C'est moi qui rappelle le président Jovenel Moïse date l'arrivée. Il y a des gens qui disent mais c'est la première fois qu'on est dans le pouvoir. Et puis c'est lui qui a rappelé. Il y a des gens qui disent est-ce que son maître dame, par exemple, son maître dame qui a fait là. Non, mais c'est moi qui rappelle le président. Vous comprenez ça? Moi, je reconnais la faiblesse pas. Voilà. Faiblesse pas, c'est que. Moi, on croit que le président a besoin de monde qui peut parler à tout le monde. Et le monde ne peut pas parler à vous. PHTK ne peut pas parler à vous. Ok, donc ça veut dire que c'est mon premier handicap. Ça veut dire son problème. Son premier handicap. Allons pas. Mais vous voyez que je veux nous connaître encore. Monsieur, quel courage. C'est ça que moi-même m'a dit, nous, le ma bataille. Dans le niveau de ma bataille là, moi j'ai conviction que le pays a changé. Parce que ça qui passe. Moi, je connais des haïtiens conséquents. Moi, je connais des gens qui créent mes pays d'Haïti. Et je parle avec un pile de monde qui a
vivent à l'extérieur pays, y compris des gens qui vivent à l'intérieur pays, qui souffrent. Moun sa ou fait partie de ça ou la majorité silencieuse là. Moi connais que gen des haïtiens conséquents qui remet pays d'Haïti et qui souffrent de problèmes pays d'Haïti. Ça veut dire que là nous tombons sous Claude Joseph, une jeune garçon comme ça que président Jovenel Moïse pardon, fait nous découvrir, nous supposons encadrer. Nous encadrer, nous fait sentir que exactement pas pour contre lui. Et bataille à faire, nous connaissons que le pas personnel. C'est pour nous, et bien nous-mêmes nous présents, nous derrière, nous avec eux. Pour toute raison, ça, on a bien fait force li. Et le ça, bataille la plus facile. Encore une fois, haïtien frère, monsieur, captandem, capgadem là, jodi, nous avons possibilité, nous avons occasion en or pour que nous débarrassions pays ça de groupes assassins qui prennent contrôle le pays ça. Et puis plusieurs années. Parce que nous avons des bagailles, nous avons fait tous les jours de Moïse, mais on perd un coup sourit. Yo père Claude Joseph, faut que fait tout ça, faut que tu fait tout ça au connaît pour débarrasser de Claude Joseph dans le gouvernement. Parce que Claude Joseph représente une menace pour yo. Claude Joseph a mangé en dedans dans le gouvernement avec yo et puis il a fermé code dans pour yo encore. Parce que il connaît que on a tout Jovenel Moïse. Claude Joseph fait Ariel Henry trembler en déclaration et que dans vidéo qui vient là tout de suite après ça, on va faire nous tendre déclaration ça. C'est pas extraordinaire ça que pendant journée ça m'a parlé nous. Pas déconnecté avec channel YouTube Info Berto. Ou même capteur de nous sur Facebook, sous besoin plus approfondi dans le débat ça yo, dans l'analyse ça yo, commentaire ça yo, traverser sur YouTube attendez Info Berto. Tapez et pour parler de mon cousin. Parce que capteur de nous sur Facebook là, parce que grand pile zanmi a ici frère nous qui poste nous, qui partage vidéo, qui mette vidéo sur Facebook, ça va déranger, OK, nous pas bravo pour ça, nous encourager des monde partager vidéo ça pour yo, mais ou même qui besoin gain analyse tête chargée yo, qui fait dans après-midi yo, traverser sur channel YouTube là qui c'est Info Berto. Moi jeune cousin. Pas oublier pour tout contact, c'est 809 619 43 54. Ou même capteur de nous, cap garder nous. Ou du moins, ou même capteur de nous, qui pas garder nous. Pas oublier, mettez plus un level. 809 619 43 54. C'est WhatsApp seulement ou capable de jeûner nous. Pas de col direct. Ou pas de jeûner nous sur col direct. Voilà. Numéro col direct là. Et je pense que je vais capter nous dans l'autre là. Très bien. Eh bien, sauf à ce pour me dire nous que jeune garçon ça, c'est mon panneau. Nous avons cherché Jovenel Moïse mourir Libanon. Eh bien, nous-mêmes, n'a pas cadré parce que c'est important pour nous. En autant de PM, non? Et puis tout de suite après, on a conclu pendant qu'on a analysé et commenté ensemble avec vous. Ramassé. PHTK ne peut pas parler avec nous. C'est peut-être qu'il y a quelques monde qui gagne de pas connaître et de bagarre parce que nous ne vraiment et parce que nous connaissons un pile dans PHTK et que nous connaissons et nous ne connaissons aucun problème avec. Personnel. Personnel. Mais je connais si c'est des problèmes politiques. Et est-ce que ça gagne ouais, par exemple, je peux estimer que je n'ai pas de bataille avec le président. Pour M. Vinban, moi, pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez, moi-même, je n'ai pas de ça. J'ai plus envie d'aller. Parce que... Et combat qui vient de tout, pas oublier qu'il y a des réflexions que de l'autre premier ministre fait, des discussions que tu as dans le palais. Mais vous dites, par exemple, vous dites joute. Soit comprendre nous ou pas de gourmet, donc ou pas là et puis on va occuper Jovenel, mais on va occuper nous. Donc, voilà, courant, pas, donc c'est pour me dire qui ça, Gary. Et, alors, on est qui voit le premier ministre, il va organiser l'élection. Et vous regardez tout ça pour le venir là, c'est du capable de dire, vous faire face avec vous. Et vous avez moyen pour gérer vous. Donc, moi-même, j'ai plus envie d'aller retourner dans le ministère des Affaires étrangères. Pas parce que nous sommes confortables. Nous sommes président Jovenel Moïse tiraillé. Nous sommes son président qui, par exemple, est en situation difficile. Et monsieur est même en pile. Monsieur t'a souhaité que c'est moi qui était comme premier ministre. Mais on vient de dire, Claude, il n'y a pas de vlo. Je dis, il n'y a pas de vlo. Je dis, monsieur, il n'y a pas de vlo. Non, vous connaissez. Je suis très à l'aise encore. En pile. Je dis, il n'y a pas de vlo. On connaît moi-même, c'est moi qui ai appelé ou qui l'aime mal. Donc, on connaît pas. Monsieur, il y a des gens qui disent que j'aime moi et je suis capable de dire qu'on est illégal comme ça. Moi, je finis avec le président
avec le premier ministre qui était désigné alors. Ariel? Ariel. Mm-hmm. Même quand nous finissons la carrière, nous passons pour tout le monde en primature. Et nous voyons tout le matériel aller. Parce que nous avons tellement. Besoin parti, libérez, monsieur. Pour qui ça vous fait ça? En vrai, pour qui ça vous fait est-ce ça? Que, est-ce que. Attends, l'âme non l'autre dynamique. Yeah. Est-ce que le président finit chita à voir avec Ariel ou pour avoir. Est-ce que vous avez une conversation continue avec le premier ministre Ariel? Non, nous n'avons pas de conversation continue. Nous avons une conversation avec le président, un gentleman. Ariel, c'est un gentleman. Oui. Ouais. Un homme simple. Et il faut que nous soyons d'accord avec ça. D'ailleurs, là, je dis, monsieur docteur, et monsieur docteur, je dis, ah, monsieur, il est marié. Ouais. Je dis, monsieur PM, je dis, non, je sais, PM, là. Ouais. Donc, c'était. Et puis, tout de suite, arrêté à finir sorti. Et, moi, c'est peut-être le premier monde qui est monsieur. Oui, le monsieur. Et puis, ils font tweet. Jovenel toujours là, il est beaucoup mourir. Oui, Jovenel toujours là. Oui. Là, je parlais de arrêter sorti le 5 là. Oui. Donc, le 5. Arrêté à sortir Ariel nous-mêmes, malheureusement. Attends. Les sorties, les filles sorties, ou même quand on n'a pas pu venir encore, le président parle avant, il dit tout ça Ariel. Non. Le président dit que c'est Ariel depuis avant. Depuis avant. Dans la rencontre, on était avec le président oui, Ariel, nous parlons. Nous parlons. Et c'est pendant ma souhaite que le président rencontre tout et passer dans le bureau, bagage. Et vous faites des trois coups de fil et vous lui dites, bah. Oui, donc pas de bien vraiment rien. Parce que le président est clair, il y a deux mondes qui ont prêté dans le gouvernement, certains. C'était Claude Joseph et Boisvert. Ah, tout le monde dit ça. Non, il dit ça devant. Et là, il était l'autre monde là. Ou pas besoin de citer, non? Oui, évidemment. Donc, et puis, mal là quand même. C'est pas parce que moi, non? Qui va me dire pas citer de passer la fois? C'est pas trop vrai. Oui. Donc, mal et puis, je n'ai pas traité en communication avec Ariel, sinon, les arrêter à sortir. Ok. J'étais vraiment content. Très bien. Aïssé Fomsom, nous prenons rentrer dans Maman Kozé. N'a pas l'entendre maman cause ya, côté qui nous parle tant de maman Pemba yo. Mon kono bagay, ou même kap tade m kap gade m la, si ou ap tade m sou Facebook. Maman cause ya ou pap jeune nan vidéo sa. Ou ap sou YouTube lan, et pou pas jeune maman cause ya nan l'autre vidéo. Parce que là, n'a fini là. Vidéo sa nou pral fè ya, la pile on ki sa. Parce que parole kapal di yo, yo en pile. Et sa nou pral ba ou comme information yo, yo papiti. Info Berto, channel YouTube là. Al souli ou ap jwenn maman kozi ya. M pa ba nou menti. C'est là m di nou moi-même. En pile moun posté intervention Claude Joseph là. Bravo. Mais moi-même moi di nou gen bagay. Moi là pour me décortiquer, moi là pour me détailler pour moun qui poko ka comprendre yo. Parce que ça passe, moi m'a pas moi prend ça qui est important, ça qui est fragile yo. Ça moun pense que moun pas doit parler yo. C'est yo m'prend moi vienne parler ça avec vous parce que moi dis ça déjà. Son seul mot gain de vous te fait ou pour mourir quand même. Rendez-vous après-midi pour une autre vidéo. Tête chargée. Que belle la balade. Moi me rappelle.